C'est qui Zorobabel? Ouais. Donc, parce que Zorobabel, en fait, si tu veux, faisait partie de. Tu sais, après 70 ans après la captivité hein, babylonienne, les Hébreux sont. Les Judéens sont revenus de l'exil. Donc, il y avait justement parmi les rescapés, Zorobabel, il y avait Néhémie, il y avait Michée, tout ça, Esdras. Voilà. Donc, pas Michée, Néhémie, Esdras, tout ça. Et les prophètes Zacharie, Agée. Voilà. Donc, Zorobabel faisait partie de cette assemblée qui revenait de l'exil. Il avait quoi de particulier par rapport aux autres? Pourquoi on en parle autant de lui? Mais parce qu'il avait la charge simplement de gérer, de diriger, de gouverner. Voilà. C'était un gouverneur, voilà. Un chef.